Oh non, je veux pas supprimer ça, oh, ils sont cons, ouais. Vos visiteurs s'amusent beaucoup. Continuez votre excellent travail. Voilà, du coup, qu'est-ce que je vais mettre comme attraction? Bah, l'autre montagne russe. Le problème, c'est qu'il va falloir que je trouve une place. Et ça va être très difficile, à moins d'enlever ça et de la faire là. Mais comme vous avez vu, je vais être bloqué, je vais pouvoir aller là, et ici. Bam. Là, je vais pouvoir aller peut-être là, longer là. Et puis, je vais me retrouver bloqué. Le seul endroit où je peux la mettre, l'attraction, c'est là. Vous avez trouvé des optimisations pour les attractions et vous ne les avez pas encore essayées. Allez me Cela peut être un moment. balader là Les et... gens adorent le changement. Vous n'avez pas un très bon choix de commodité. Voilà. Là, techniquement, le parc, il est fini, là. Techniquement, là, c'est fini. Et je peux faire autre chose. C'est ça. Vous vous débrouillez comme un pro. Les gens s'amusent vraiment bien dans le parc. On Continuez. peut visiter le parc. Alors oui, c'est un peu buggé, mais hop, par là. Ah, je peux pas rentrer, ça va me gonfler. Et voilà. Vous pouvez bouger la caméra. Vraiment peu de commodité. On se croirait à Sinistros les mines avec une porte en plus. Vous pourriez en construire quelques-unes. Là, ça grimpe, hein. Arrivé en haut, normalement, ça devrait aller. Question. Ils font de l'avion. N'oubliez pas que c'est un jeu de PS1. C'est vieux comme jeu. Enfin, vous avez compris le principe. Tac. Par contre, ouais, effectivement, c'est un peu lent. Hein. Et capacité 12, je crois que c'est bien. Ouais, parce que sinon, ça limite. Ah non, même pas. Bah écoute. Tac. J'ai mis à fond. Et là, du coup, c'est combien? Ouais, non, c'est bon. Elle est à fond, elle? Ouais, elle est à fond. Le parc Dino, il est à fond, lui. Tout à fond. Il y a juste. Il manque juste plus qu'une attraction, quoi. Le problème, c'est qu'il faudrait que je la mette là, mais je suis bloqué. Je suis bloqué, je m'y suis mal pris là dans le parc. Le seul truc qui reste à chercher. Très bien, vous n'avez pas gaspillé votre argent en les formant. Le seul truc qui reste à chercher, c'est ça. On va aller chercher et puis. Cette formation classique a véritablement donné des résultats. Voilà. Les visiteurs adorent vos animateurs. Ouais, là vous voyez que c'est la fin de la partie parce que. C'est tous les remerciements là maintenant entre guillemets. Vous n'avez pas un très bon choix de commodité. Normalement, si je me gourre pas, ça devrait aller assez vite, ça, les commodités. Vous vous débrouillez comme un pro. Les gens s'amusent vraiment bien dans le parc. Continuez.
On va voir si c'est assez cher. Le pire que je sois monté dans un parc comme ça sur la PS1, c'était 200 000 et quelques d'argent et le jeu a planté. J'ai supprimé d'ailleurs le parc. Hein. Et il rentre quand même. Hein. Ouais, il y a une personne qui s'est barrée, quoi. Ouais, je vous avais dit que ce serait rapide. Où est-ce qu'ils sont les palmiers de Jimmy? Un peu de partout. Votre parc comporte vraiment peu de commodités. On se croirait à Sinistrose-les-Mines avec une porte en plus. Vous pourriez en construire quelques-unes? Non, je les supprime petit à petit, d'ailleurs. Pourquoi je les supprime? Vos visiteurs s'amusent beaucoup. Continuez votre excellent travail. Parce que si je veux pouvoir tenter de construire la dernière montagne russe à la rigueur, il va bien falloir que je trouve une solution. Une nouvelle commodité a été découverte. Vous savez, du genre, je vais vite y aller pour me couvrir le nez, ou je vais m'asseoir dessus et me soulager un peu. Les caméras de surveillance, ça je peux pas les enlever malheureusement. C'est vraiment trop important pour que... Tiens, là il y a un haut-parleur là qui a rien à foutre. Il y a des attractions partout. Ils ont qu'à y aller. Vous n'avez pas un très bon choix de commodité. Une nouvelle commodité vient d'être découverte. Oui, toutes les nouvelles commodités sont commodes. Commode. On va tenter, mais comme je vous ai dit, ça risque d'être hard. Je peux pas, je suis obligé de la mettre là. Les visiteurs pensent que le prix du billet d'entrée est une aubaine. Avez-vous pensé à l'augmenter? Ouais, je suis obligé de la mettre là. Il y a des chances que le toilette il dégage. Hein. On va voir. Toutes les montagnes russes disponibles ont été utilisées. Pour en construire d'autres, il faudra en supprimer certaines. Votre parc comporte vraiment peu de commodités. On se croirait à Sinistrose-les-Mines avec une porte en plus. Vous pourriez en construire quelques-unes? Excellent travail.
Et voilà, je me retrouve bloqué encore une fois. Ça va pas. Il y a des trucs qui doivent jeter. Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée, attendez. Vous n'avez pas un très bon choix de commodité. Ça fait chier parce qu'il circule comme une... Voilà. On va continuer maintenant. Ok. Vous vous débrouillez comme un fou. Les gens s'amusent vraiment bien dans le parc. Continuez. Par sécurité, on va le mettre là. En train de fonctionner, pas forcément comme je le voudrais, mais ça fonctionne quand même. Non. Encore une fois bloqué. Je vais éviter de passer par le parc là-bas. Parce que ça va se croiser et j'ai pas envie que ça se croise. Votre parc comporte vraiment peu de commodités. On se croirait à Sinistrose les mines avec une porte en plus. Vous pourriez en construire quelques-unes. Ça peut se croiser. T'es sérieux? J'ai jamais réussi à faire ça. Vos mécanos sont extraordinaires grâce à la formation. Votre parc tourne comme une machine bien huilée. D'ailleurs, c'est une machine bien huilée. Vos visiteurs s'amusent beaucoup. Continuez votre excellent travail. Bon. Eh ben... La voilà, l'attraction. Oh, ce bordel, ce bordel. Bon, eh ben, le jeu est fini. Ou presque. C'est pas encore tout à fait fini. Ça y est, c'est bientôt fini là. Ok, donc ici, commodité, haut-parleur, c'est là où il faut bourriner maintenant. Attendez. Les gens sont impressionnés par vos poissons. Sauvegardez, j'ai pas envie que le jeu plante maintenant.
Je sais pas combien d'heures de vidéo j'ai là, mais je m'en fiche. Là, je suis content. J'ai réussi à mettre tous les parcs. Alors, vous avez l'attraction Mountain Russe numéro 1 qui monte la voie perpète, ils font tout le tour du parc. Ils peuvent le vérifier, enfin ils peuvent le vérifier, ils peuvent regarder le parc. Ouais. Là, puis ils passent au-dessus de ça. Ils viennent là, tac 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 tac. Et ils reviennent là. Ça, c'est bon. Là-haut, vous avez le chemin de fer. Ils partent un peu à l'ouest, là-bas au fond. Ils reviennent. Tac. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, comme je vous disais, c'est mettre les commodités. Les gens meurent de soif et ne trouvent rien à boire. Pensez à construire encore des buffets. Ils meurent de soif. Quoique, c'est vrai que dans les parcs... Quelques visiteurs sont affamés. Vous devriez construire d'autres snacks avant qu'ils ne crottent... Je veux dire qu'ils ne quittent le parc. Comment ça, bro? Hein? Vous vous débrouillez comme un pro. Les gens s'amusent vraiment bien dans le parc. Continuez. Vous voulez savoir comment tirer le maximum de vos employés? Donnez-leur des instructions. Essayez de définir leur zone d'intervention. De vos balayeurs donne vraiment des résultats. Ils font partie des balayeurs les plus en vue dans le monde, sans blague. Quand je vous disais que c'était la fin. Vos animateurs sont parfaitement formés et les visiteurs les aiment vraiment. Et pourquoi pas? Leur attrait est sans égal. Vos mécanos sont extraordinaires grâce à la formation. Votre parc tourne comme une machine bien huilée. D'ailleurs, c'est une machine bien huilée. On se croirait à Sinistrose les lignes avec une porte en plus. Vous pourriez en construire quelques-unes. Les gens trouvent que votre nourriture est excellente. C'est très bien. Oh, ça lag! Il doit y avoir je sais pas combien de monde qui passe. Non, même pas. Putain. Ah, ça lag. Ça, c'est Mountain Russe. Putain, regardez en bas à gauche le nombre de personnes qu'il y a. Regardez. Regardez ça. Full. Et du coup, les chercheurs, ils en sont où? Ah, c'est bon, ça arrive. Du coup, il n'y a plus rien dans les commodités, là. Ouais, non, j'avais vérifié en plus. Bon, bah, je vais pouvoir gérer les chercheurs. Hein. On a découvert une nouvelle attraction. Non, attendez, on a découvert une optimisation. C'était pas la même chose, mais c'est vrai qu'il y a pas mal. Du coup, comme ils ont cherché ça, bam, les bam. Les visiteurs trouvent que le prix du billet est vraiment bon marché. Vous pourriez peut-être l'augmenter. Encore? Oh, putain, il y a du monde qui se sont barrés. Ah non, mais c'est du monde qui arrive, ça? Vache. Vous avez découvert des optimisations pour les attractions et vous ne les avez pas encore essayées. Ce serait peut-être le moment. Les gens adorent le changement. Ouais, et ce que les gens adorent aussi, c'est du personnel très performant. Vous n'avez pas un très bon choix de commodité.
Non, ils sont bons là. Mais non, là. Non, ça c'est bon. Et il leur faut des salles de repos, j'ai vu. Il y en a une là. Ouais, là, il n'y en a pas, mais j'ai plus de place là. Je suis désolé, les gars, j'ai plus de place. Vous vous débrouillez comme un pro. Les gens s'amusent vraiment bien dans le parc. Continuez. C'est quoi les détails de ce truc? Eh ben, regardez ça, ce qui rentre. Vous savez quoi? Je me sens d'humeur. Attends. Ouais. Voilà, c'est bon. Embauché. Animateur. Embauché. Animateur. Vous avez embauché 5 animateurs et c'est le maximum. Si vous voulez les rendre plus performants, il va falloir les former. Bam. Vos visiteurs embauché. Continuez votre excellent travail. Gardien. Est sur le point de s'écrouler. Mettez-vous à l'abri. Vous pourriez peut-être aussi la réparer. Embauché. J'embauche tout le monde. Un autre balayeur. Eureka ! Belle nouvelle attraction ! Non, attendez, on a découvert une optimisation. C'était pas la même chose, mais c'est très bien quand même.
augmenter son rendement, il faut lui donner une formation. Vous vous débrouillez comme un pro. Les gens s'amusent vraiment bien dans le parc. Et voilà. Foot personnel. Optimisation numéro 2. C'est la dernière. Les visiteurs trouvent que le prix du billet est vraiment bon marché. Vous pourriez peut-être l'augmenter. Attends, bah je vais laisser eux rentrer d'abord. Avez-vous pensé à les utiliser? Votre parc comporte vraiment peu de commodités. On se croirait à Sinistrose-les-Mines avec une porte en plus. Vous pourriez en construire quelques-unes? Okay. 330, allez. Et chercheur. Certains clients ayant acheté des poissons se sont plaints de la qualité. Vous devriez vous en occuper avant qu'ils ne se mettent en colère. Les chercheurs, il n'y en a plus besoin. Licencié. 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 Alors là, par contre, ça va me faire de l'argent en plus parce qu'il me prenait 600 à chaque fois. Merde. Non, licencié. C'est bon, j'ai plus de. Non, c'est bon. Ok. Alors là, vous allez voir l'argent, ça va monter d'un coup normalement. Et comme je suis quelqu'un de sympa, animateur. Ouais non, ça c'est bon, j'ai pas besoin d'y bouger ça. Mécano. Ah mais ils sont tous à fond les mécanos. Ah bon, bah c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. Et il est pas mal là le parc. Non? Non, vous trouvez pas? Vous me le direz dans les commentaires si vous trouvez pas mal. Bon, c'est un jeu de PES, hein, je vous ai déjà dit. Continuez votre excellent travail. Voilà. Ça, on y laisse comme ça, c'est très bien. Et ben voilà. Donc là, je le laisse à 330. Qu'est-ce que je pourrais construire plus, étant donné qu'il n'y a plus de place? Peut-être si. Ouais, non. Non, non, non. C'est bon. Ça va être déjà assez comme ça. Ben voilà. Ouais. Ça descend quand même vachement l'argent là. Attendez, c'est ce que je veux vérifier. Voir si ça tient ou pas. Ça devrait tenir normalement. Parce que là, il y a truc à frites là-bas. Boisson, sandwicherie et tout un peu ici. Bon, là, il y en a plus. Choix
devrait peut-être remplacer. Certaines personnes qui ont mangé dans votre parc ont du mal à digérer leur repas. Il faut améliorer la situation avant que d'autres ne se fâchent. Ah, ça lague. Là. Vous vous débrouillez comme un pro. Les gens s'amusent vraiment bien dans le parc. Continuez. Voilà. Bon, dans le parc Halloween, ce que je ferais, c'est que j'optimiserais mieux tout ça, là. J'optimiserai mieux. Parce que là, c'est un peu le bordel. Hein. Ce qui m'a gêné, en fait, c'est ça. Là. Tout ça, là. La rivière a été mal placée. Enfin, bref, c'est comme ça. Je crois que j'avais le même problème avant. Enfin, bref. Bon. Eh ben, sur ce... Sur ce, on va se laisser. Je fais la sauvegarde. Et puis, voilà. Tac, tac, tac. Ça sauvegarde, hein. Voilà. On va se laisser là. Les objectifs de ce parc, vous savez, ces performances ont été fixées. Consultez vos messages pour voir les chiffres réalisés. Non, je suis toujours en positif. Hein. Ils exagèrent sans doute, mais vous devriez songer à ajouter quelques snacks. Je suis en positif par rapport au salaire des employés et tout ça, donc le parc il continuera à monter encore et encore et encore. Les visiteurs s'amusent beaucoup. Continuez votre excellent travail. Eh bien écoutez, sur ce, on se laisse là et puis à une prochaine. Allez, à plus.